Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Alors ça monte ou pas? Ah oui, ça monte doucement mais sûrement, ça monte. Ah, ça monte doucement mais sûrement, regardez ça, admirez ça. Ça y est, les arbres là, ils commencent à être irrigués jusqu'au bout. Ça y est, le niveau de l'eau, il monte. Comme je l'avais prédit, ça allait être irrigué jusqu'au bout, quasiment. C'est trop bien, il n'y a que cette petite partie-là qui sera pas irriguée, mais on s'en fout. Oh là 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 là. Cette quantité d'eau colossale que je vais avoir. Cette quantité d'eau colossale! Ça prend 45 000 ans à se remplir! On va quand même laisser un chemin ici. On sait jamais. Oh, ça prend tellement de temps à se remplir. Ah, peut-être que l'eau se barre par là en fait. J'avais pas calculé ça. Peut-être que l'eau se barre par là aussi. Ah, si l'eau se barre par là, c'est pas trop drôle ça par contre. Je pensais pas que l'eau pouvait se barrer par le bord de la map. Mais ça paraît tellement logique en fait. Ah zut, elle se barre par le bord de la map, l'eau! Ah ben non, ouais! L'eau se barre par le bord de la map là-bas. Mince! En mince, flûte et prute, eh! Ça marche pas bien mon truc. Ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas ce trou là. Je vais mettre un district pour aller boucher le trou là, tiens. Oh, comment je vais faire pour amener les gens là-bas? Comment je vais galérer pour amener des gens là-bas? En plus, il me faut leur apporter du bois et tout. Rien que pour aller faire un mur. Build a wall! I want to build a wall! Il faut faire un mur ici. Lol. Lol. Il faut aller faire un mur là-bas. J'ai pas le choix. Mon plan était presque parfait. Presque. Il était presque parfait. Bon, c'est pas grave. Ici, dans tous les cas, on va avoir une zone de bois. Dès que ce bâtiment-là sera construit. Ça veut dire dès qu'Ixion aura 100 rondins, ils vont en amener là-bas. Amenez-moi des rondins là-bas, s'il vous plaît. Vous avez pu faire ça, c'est bien là, mais le stock d'eau, forcément, il est plein de chez plein. Que je puisse avoir une prod de bois là-bas. Puis pour la suite, on va se débrouiller. Vous allez voir un peu. On va essayer d'être des génies, les gens. D'accord. On va vraiment essayer d'être des génies, d'accord? J'ai un projet. Parce que c'est mon projet!
Ça y est, le boulot il est submergé trop longtemps, il s'est fané. Cette zone-là n'est pas prévu qu'il y ait trop d'habitants dedans non plus. Hein. On va vraiment essayer de timer l'habitat à ce qu'il faut pour exploiter ce métal. J'espère qu'il y a une mine dessous. Il leur faut des rondins là-bas les gars, sinon ils vont jamais y arriver. Mais bon du coup ça c'est la base que j'envoie en fait, d'accord. Et du coup, en laissant à 0, j'obstrue la limite basse. D'accord. Oh oui, on a des rondins ici. C'est bon, ça. C'est le bonheur, ça, les gens. C'est le bonheur. On a des rondins ici. Ça y est. Ça y est, il va pouvoir planter les arbres, le monsieur, là. Il va nous faire une belle forêt, lui. Je vous le dis, moi. Que ce soit clair, eux, leur seule tâche, ça va être d'exploiter ce bois-là. D'accord. Et d'aller construire... Ah, build a wall here. Boucher ce trou béant, là. Ici, là. Ça va être leur seule tâche à eux. Après, ils disparaissent, cette colonie disparaîtra. Donc là, ici, il leur faut de l'eau. Ok. Il va leur falloir des planches. Il va leur falloir de la bouffe aussi. J'ai beaucoup de baies. Ok. Il va leur falloir des planches. Où sont les planches? Des planches. Ok. De l'eau. Des baies, des plantes. On va également leur envoyer un petit peu de pain, histoire de... Et déjà là, à mon avis, avant qu'ils arrivent là-bas, il va se passer du temps. On va d'abord attendre qu'il y ait des ressources là-bas, hein. Clairement. Parce que, à mon avis, avant d'y arriver... Moins que ça doive passer par eux, je sais pas.
Voilà. Et donc on va d'abord attendre qu'il ait les ressources ici avant d'envoyer les trucs, hein. Avant d'envoyer la purée, hein. Avant d'envoyer des gens parce que sinon ils vont mourir instantanément. C'est dommage quand même. Ça y est, ils sont partis, regardez-moi ça. Les pauvres castors qui vont découvrir le monde. Ils découvrent le monde, ces castors, ils découvrent le monde. On a un petit peu d'eau, on a un petit peu de nourriture, on a un petit peu de bois. Il manque des engrenages. J'ai oublié de leur filer des engrenages, je crois. Ouais, j'ai oublié de leur filer des engrenages. Où sont les engrenages? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 13, 14, 15, 16. Voilà, vous avez du boulot, les gars. En attendant là-bas, il y a des ressources ou pas? Il y a un petit peu d'eau, il y a un petit peu de bois, il n'y a pas les engrenages encore, on n'a pas de quoi faire ça dans un premier temps. Parce que ça va être directement vital. Ça y est, ils sont en train d'arriver les bonhommes. Ils sont en train de déposer les trucs là. On n'a pas encore de quoi construire ça, on n'a pas encore 30 planches et 20 engrenages. Tant qu'on n'a pas de quoi construire le stock d'eau, on n'envoie personne. Bien, on a 100 B et 60 pains, c'est pas mal. Après, je pense que les limites basses, c'est ce que j'envoie minimum. Donc là, vous voyez, 100, ça me paraît bien. 100 pains aussi, ça me paraît bien. 50 engrenages, ça me paraît bien. Rondin, on va passer ça à 50. Les planches, 50. L'eau, 200. Ah, t'as du boulot toi, hein, frérot. Alors vas-y, hein, fonce, hein. Ici, pour l'instant, ils ont une vie de merde, mais c'est pas grave. Je vous rassure, on va les améliorer bientôt. Ils vont faire le métal, etc., etc. J'ai froid, moi. Pourquoi j'ai froid comme ça? Il fait froid dehors. Bon, ici, en attendant, ils ont vraiment pas d'eau, ils ont pas de ressources ni rien, les pauvres types. Les rondins, ils vont en avoir, hein, puisqu'il y a ça qui va se construire instantanément. C'est bon, ils ont de quoi maintenant. On va immigrer des gens là-bas. On va les faire migrer d'où? On va les faire migrer d'ici, bien sûr. On va faire envoyer 10 adultes. Et les 5 enfants, tiens, allez, hop. Voilà. Ils vont tellement mourir.
Ici, là, eux, ils vont tellement mourir. Ils ont au moins fait directement à la citerne, et ça, c'est bien. Ce qui permet de stocker l'eau directement. La sécheresse a commencé, faut que je fasse gaffe, faut que j'aille couper la sortie d'eau ici. Je crois que j'ai envie de la couper maintenant. On la coupe maintenant, Osef. Osef Thiers. Plus on stocke l'eau, mieux c'est, hein. N'oublions pas. Lui, il est encore en train de planter des arbres, il en a pas fini le beau type. Parfait, regardez-moi ça là. Vous avez une digue tellement longue à faire, vous. Je vais pouvoir vous envoyer du rondin, tellement de masse. Et après vous, est-ce que j'ai autre chose à faire avec vous? Non, hein, parce que ça, c'est inexploitable. Ah non. Hein. Autant là, quand cette zone est inondée, ça aurait pu faire une magnifique ferme. Ferme land. Mais à part ça, c'est inexploitable ici. Hein. Vous allez vous faire un petit entrepôt, vous. Pas besoin de plus ici. Bon, ça va. J'accepte tout, de toute façon. Ok, c'est parti, les gars.